Bonjour et bienvenue à la 5e émission de Chasseurs d'emploi. Cette émission a pour objectif d'aider des personnes à trouver du travail en tant que salarié ou créateur d'activité. Pour cela, on va réunir les acteurs de l'emploi, le monde associatif et l'entreprise. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Isabelle Baudin, professeure en coaching, en recrutement et marketing des ressources humaines chez MBS Marseille. Sauveur Garella, directeur du développement de l'agence SG Conseil. Anouk Rizzo, chargée de communication et micro-entrepreneur. Sans plus attendre, nous allons voir le portrait de Rémi qui cherche du travail comme intégrateur web. Alors, je m'appelle Rémi Arnoux, j'ai 29 ans et je cherche un poste de développeur web. J'ai toujours habité à Port-de-Bouc, donc je faisais à chaque fois mes études sur Marseille ou sur Aix-en-Provence, donc je faisais tous les jours les déplacements. Comme tout le monde, j'ai fait des emplois saisonniers, j'ai multiplié aussi les jobs alimentaires, j'ai été technicien dans un magasin d'informatique. Pour le moment, je suis seul, je vis chez mes parents, pour le moment. J'espère que ça va changer après l'aventure CV Street et voilà, j'espère que je trouverai un poste pérenne où je puisse m'épanouir professionnellement parlant. Pour moi, voilà, j'aime bien l'entraide, la solidarité et voilà, je pense que c'est ce qui me manque en ce moment pour trouver du boulot. Nous allons maintenant voir un reportage sur le parcours de Rémi qui a duré un mois. On va ensuite retrouver les invités pour discuter d'un point soulevé par lui, à savoir la création d'activités. On se retrouve maintenant avec Rémi à l'association CV Street où les chasseurs d'emploi et les collectifs sont réunis. Alors moi je pense que Rémi devrait se redresser, ouvrir ses épaules et prendre de la place en augmentant la police, en augmentant le poste pour lequel il postule. La candidature, on se doute bien que si vous envoyez un CV, c'est que vous candidatez, donc c'est pas besoin de le mettre dans le titre. La petite phrase de profil, comme on l'a dit, le diplôme, il est en bas, il n'est pas en haut. Comme on l'a dit également, le trou entre 2003 et 2010, il sera évoqué lors de l'entretien, ça c'est clair, donc apprêtez-vous à y répondre. Le truc qui me choque en parcourant le CV un peu en profondeur, c'est de savoir ce que tu as fait entre 2003 et 2010. Par contre, les compétences, c'est intéressant parce que c'est assez précis. Et pour un employeur, je pense que c'est intéressant pour lui de voir tout de suite ce qu'il peut faire. Là où tu as le plus développé, je pense que ça serait bien d'essayer d'organiser ce que tu as fait en utilisant des mots qui sont un peu plus techniques. Ce qui m'a plu, c'est les trois pavés assez clairs et bien aérés. Grâce au collectif, le CV de Rémi a été optimisé. L'association a fait appel à Fabrice Fontanier, le dirigeant de l'agence 123 Soleil, pour l'aider à cibler les recruteurs potentiels. Alors moi j'attends d'un mentor qui puisse m'aider à mettre un pied dans l'entreprise, qui puisse m'aider à fonctionner de façon professionnelle dans la création de sites web. Parce que pour le moment, moi j'ai un fonctionnement théorique, donc moi je voudrais avoir un... Opérationnel. Voilà, être opérationnel. Est-ce qu'il y a des agences de publicité et de communication qui créent régulièrement des sites web? Après, ça peut être également le service communication d'une grosse entreprise ou tout simplement d'un service com d'une municipalité. Voilà. On remarquera une chose, que même quand on pense que finalement c'est inaccessible et que c'est pas possible, on voit qu'en discutant, en creusant un peu, finalement, on trouve une piste, on trouve un début de piste. Voilà. Les pistes de recherche d'emploi se précisent pour Rémi. Il doit maintenant se préparer à la prospection et envisager différents cas de figure. Cet exercice suffira-t-il à le conforter dans sa recherche? Alors, si l'entreprise me dit qu'elle n'a pas le temps de prendre mon appel, je leur dirai que, voilà, je voudrais un rendez-vous. Un autre jour. Donc je leur proposerai une date demain et je leur proposerai une heure où ils seront disponibles. Rémi rencontre des difficultés à exprimer correctement son projet. Émilie Sabi, directrice de la communication chez Tunnel Prado, est intervenue pour clarifier le positionnement de notre chasseur d'emploi. Rémi semble une personne assez introvertie, ce qui est peut-être difficile pour pour développer un réseau, difficile pour faire du RP. Mais il a l'air bien dans ce qu'il fait, son CV est intéressant. Je pense que s'il cible vraiment les entreprises qui ont des besoins, il pourra vraiment en sortir gagnant, quitte à commencer par des missions et démontrer ses compétences, quoi. Après 2 semaines de parcours, Rémi n'arrive toujours pas à faire sa présentation orale. Le collectif a décidé de se réunir car après 2 semaines de parcours, ils doivent passer à l'action. Alors bonjour, je m'appelle Rémi Arnoux, j'ai 29 ans. Et je recherche un poste de développeur web spécialisé dans le PHP ou dans la création de sites web sous CMS. J'ai effectué un stage de 3 mois pour valider ma formation dans la création de sites web ou dans l'amélioration de sites web existants. Je souhaiterais vous contacter, donc je vous laisse ma carte et on se fixe un rendez-vous. Rémi est maintenant prêt pour partir à la chasse à l'emploi. Il va rencontrer Pascal Sagi, membre de la CGPME et dirigeant de Colpacte France. Quels sont les besoins des entreprises? Rémi va avoir la réponse en live. Ce que cherchent les gens actuels, ils cherchent des gens opérationnels tout de suite. D'accord. Donc il faut montrer que demain, vous n'êtes pas un poids. Ce qui est intéressant dans le réseau, c'est que vous n'avez pas forcément... Il faut comprendre que le principe, ce n'est pas forcément le business de les faire ce soir. Vous allez faire du business parce que vous allez faire du buzz. Anouk est chargée de communication. Comme Rémi, elle est chasseur d'emploi. Ayant créé sa micro-entreprise depuis 10 mois, elle est peut-être la mieux placée pour aider Rémi à créer son activité. Rémi est venu me parler de son idée de monter son auto-entreprise intégrateur web. Et étant moi-même auto-entrepreneur, je lui ai conseillé de saisir cette opportunité. En effet, c'est un très bon moyen pour se faire connaître, développer son réseau, avoir un book et aussi se présenter par ses compétences et non pas comme un chômeur. Et c'est dans ce sens que j'ai proposé de l'aider. Nous venons de voir un reportage sur le parcours de Rémi. Justement, Rémi, comment te sens-tu ? Je vais très bien, l'expérience a été très positive, mais je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même. Quel type de travail? Prendre plus confiance en moi, mieux m'exprimer en public et proposer mes services. Déjà, on peut te féliciter parce que justement, faire un plateau télé, c'est pas évident. Anouk, tu es chasseuse d'emploi, tu es micro-entrepreneuse, tu as créé, donc tu es chargée de communication. On l'a vu dans le parcours, il y a une histoire entre vous. Quelle est votre relation professionnelle? Donc moi j'ai fait la connaissance de Rémi en effet au début du mois sur le parcours chasseur d'emploi et on a assez vite accroché déjà amicalement, mais en plus professionnellement c'est vrai qu'on s'est bien retrouvés puisque nos métiers sont assez complémentaires. Là où moi je vais m'occuper du fond avec le contenu, de la rédaction ou d'autres supports, Rémi lui va s'occuper de l'aspect technique et de la forme et mettre en ligne en fait ce que moi j'écris en brut. Donc tout de suite on a eu un lien de complémentarité en fait. Donc il y a vraiment cette idée de coopération qui pourrait émerger. Isabelle Baudin, vous enseignez à Marseille Business School, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Dans les disciplines du coaching, du marketing des ressources humaines. Et des ressources humaines. Donc quelles sont un peu vos recommandations par rapport au parcours de Rémi, cette création de micro-entreprise? Alors moi je pense que c'est une démarche très pertinente d'ouvrir sa micro-entreprise. Pourquoi? Parce que les jeunes gens qui sortent de l'école n'ont encore pas d'expérience, et je crois que c'est le cas de Rémi. Donc ils se retrouvent confrontés durant son parcours de recherche d'emploi à des employeurs qui demandent d'avoir une expérience de 3 ans minimum. Donc du coup, ça coince. En créant sa micro-entreprise, justement, Rémi et les autres personnes aussi vont pouvoir se créer cette propre expérience et être donc une valeur ajoutée pour l'entreprise et non pas un coût. Puisque l'entreprise, forcément, au départ, quand la personne n'a pas d'expérience, il faut que l'employeur investisse dans la formation. En attendant, elle le rémunère, il y a des charges à payer et donc tout ça forcément freine l'embauche. Si Rémi ou les autres se présente en disant voilà, après travail rendu, je facture le travail que je vous ai justement proposé. Là, c'est plus la même chose. On devient une valeur ajoutée pour l'entreprise. Il est évident aussi qu'il faut établir un objectif bien précis, avec une méthode qui est connue depuis très longtemps maintenant, qui s'appelle la méthode SMART. Donc cet objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et inscrit dans le temps. Avec tout ça, Rémi peut commencer sa micro-entreprise. On va peut-être parler avec Sauveur Garella. Donc vous êtes dirigeant, enfin, directeur du développement plus précisément de SG Conseil, qui conseille les entreprises dans la stratégie médias et communication. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement peut-être une stratégie à mettre en place pour que Rémi trouve des clients le plus rapidement possible? Oui, oui, oui. Ben, de toute façon, je pense que déjà avec CV Street, il travaille sur sa marque personnelle. Donc ça, déjà, c'est le premier objectif, d'avoir le personnel branding, comme on dit, très au point. Deuxièmement, il faut, sur le plan pragmatique, faire un cast, choisir, sélectionner une vingtaine, une trentaine d'entreprises sur le plan local, aller disséquer leur communication institutionnelle corporate sur leur site internet, essayer, bon, lorsqu'on aura après le chef d'entreprise, au bout du fil, ce sera toujours du positif, jamais du négatif. Mais essayer d'apporter la plus-value à son site, détecter ce que l'on peut améliorer, même si on pourra dire que leur site est très bon, ce qui est vrai, et apporter cette plus-value pour apporter ce qui lui manque. Et dans cette prospection, être toujours très positif. Et après, le chef d'entreprise qui reçoit, qui examine la proposition, sera toujours intéressé. Alors ça, c'est bien, c'est de dire vraiment il y a une stratégie qui peut se mettre, une stratégie commerciale pour avoir tes premiers clients. Donc Rémi, tu en es où de ton projet de création de micro-entreprise, concrètement? Alors il faut déjà que je commence les démarches de ma création d'une micro-entreprise. Puis ensuite, il faut que je prospecte les sites des entreprises, savoir qui contacter et enfin proposer une offre commerciale attractive. J'ai le plaisir de vous annoncer une nouvelle rubrique dans l'émission Chasseurs d'emploi, c'est le CV de la semaine en partenariat avec la Fondation FAS Sud-Provence. On se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Khalid Salim et j'habite à Marseille. Je recherche un poste de peintre en bâtiment. Fort de 25 ans d'expérience, je suis polyvalent, manuel et dynamique. J'ai travaillé sur plusieurs chantiers, également chez des particuliers, en tant que peintre, manœuvre ou aide-maçon. Ce que je préfère, c'est la peinture. Autonome, je sais gérer la préparation, l'enduit, la pose et bien sûr le nettoyage après travaux. En 2014, j'ai aussi obtenu mes diplômes de maçon bâti ancien et de coffreur. J'aime le travail bien fait et que le client soit satisfait. Matinal, faites-moi confiance pour colorer vos chantiers, contactez-moi. De retour sur Chasseurs d'emploi, nous allons évoquer avec nos invités un point soulevé par Rémi, à savoir la création d'activités. Anouk, tu as franchi justement le cap de la micro-entreprise depuis 10 mois. Alors, quelles sont tes recommandations pour Rémi et finalement les autres personnes qui souhaiteraient se mettre à leur compte? Alors moi, mes premières recommandations, c'est quand même au préalable de se renseigner sur les démarches à effectuer, qui sont simples, hein, ça se fait assez vite. Bon, la loi a un peu évolué en début d'année, on s'appelle maintenant des micro-entreprises, donc il faut se renseigner sur ça. Il y a des cotisations à régler chaque mois ou chaque trimestre selon. Donc c'est se renseigner sur l'amont. Et après, mes autres recommandations, ce serait de se servir de cette micro-entreprise pour se créer son réseau, en fait. Quand on arrive dans une ville ou quand on démarre, ça permet de se présenter par ses compétences et non pas par un besoin. On arrive un peu en force de proposition et c'est toujours utile. Et ça peut aussi débloquer pas mal de situations et mettre à l'aise dans une conversation. Donc, en fait, Anouk, c'est l'idée d'être force de proposition, pas forcément pour chercher un emploi salarié, mais pour proposer des prestations de service, c'est bien ça? C'est ça, c'est qu'en proposant des prestations, déjà on fait moins peur à un employeur qui ne se sent pas agressé par quelqu'un réclamant tout de suite un emploi. Et du coup, en faisant ses preuves petit à petit, qui sait, ça aboutira sans doute sur un emploi, parce qu'une fois qu'on a fait ses preuves, si un emploi se libère, l'employeur aura beaucoup plus tendance à penser à celui qu'il connaît qu'à quelqu'un qu'il devra de nouveau recruter. Donc c'est une force du début à la fin en fait. Donc il ne faut pas avoir peur de commencer là-dessus. Bien sûr que le but, c'est peut-être pas d'en vivre au final, mais pour commencer et développer un réseau, c'est une belle opportunité. Donc créer son propre emploi, pourquoi pas, c'est une possibilité. C'est assez rapide à faire une micro-entreprise parce que souvent on dit ça prend du temps. Concrètement, c'est... Ça prend du temps. Après, pas tant que ça, il faut regarder. Il y a un site qui s'appelle l'auto-entrepreneur.fr, donc il va sans doute changer de nom avec la nouvelle loi, mais pour l'instant, c'est encore ça. Il faut répertorier son activité selon un code NAF et remplir un formulaire. Ça prend 15 jours à immatriculer, sachant que derrière, on est exonéré de TVA et il y a des barèmes plus ou moins avantageux selon l'entreprise. Voilà. On peut aussi citer, je pense, la Cité des Métiers, on peut quand même en parler, puisque c'est un lieu à Marseille, au Vieux-Port, qui permet d'avoir ce type d'informations. En termes de débouchés, parce que c'est bien d'avoir un projet de création d'entreprise, mais voilà, dans la communication, un secteur que, Sauveur, vous connaissez très bien, est-ce qu'il y a des débouchés aujourd'hui? Bon, on va être clair, transparent, on ne va pas se raconter des salades. Le marché, actuellement, est difficile. Bon, il est d'autant plus difficile pour X raisons. On ne va pas rentrer là-dedans. Par contre, lorsqu'on a une compétence très pointue, comme vous avez, là, on peut trouver de bonnes filières. Bon, au départ, sur des prestations de services, lorsque vous allez vous positionner en demandeur, j'ai bien entendu Annick qui dit force de proposition. Donc, alors, il est clair, le marché, ce n'est pas facile, mais lorsqu'on a une compétence, on peut y arriver. Donc une compétence et peut-être avoir un marché de niche, c'est-à-dire cibler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 50 entreprises leur proposer de la création de sites internet ou une amélioration. Absolument, voilà. Je pense que le job Rémi qui est intégrateur web, donc vous vous occupez aussi bien de l'architecture avec Anouk des contenus, donc en fait il y a toujours de l'amélioration positive sur une architecture de site web. C'est une niche. Et maintenant, on ne vit que par des niches. Isabelle Baudin, peut-être aussi il y a un autre problème en amont pour Rémi, le projet de Rémi, c'est le marketing. Comment finalement se vendre soi-même? C'est ça le problème. Alors cette question est double puisque Rémi va créer sa propre micro-entreprise. Donc il faut le marketing de votre entreprise, Rémi. Pour ce faire, il va falloir en amont faire une étude de marché, un mini business plan. Même si c'est une micro-entreprise, elle est nécessaire. Et vous allez recenser les entreprises avec lesquelles vous allez travailler. Et ensuite vient la partie où vous allez vous vendre vous-même. Donc par rapport aux entreprises que vous avez recensées, avec lesquelles vous allez travailler, comment les démarcher en créant une plaquette ou une brochure. Ne pas partir de chez l'employeur sans rien ne lui avoir laissé, mais qu'il ait bien vos coordonnées pour pouvoir vous recontacter et y aller, quoi. Passer à l'action et aller vraiment démarcher les structures. Donc il y a deux phases finalement. La première, c'est en amont le marketing, la préparation à la vente. Tout à fait. Et puis après, laisser un document concret pour le prospect qui devienne client et soit, s'il est intéressé pour faire un site web, il pourra recontacter Rémi, c'est bien ça? Tout à fait. Allez, on se retrouve juste après la Minute de l'Expert. Bonjour et bienvenue à la Minute de l'Expert. Aujourd'hui, j'ai demandé à Malika, détachée de Pôle emploi à la Cité des Métiers, de venir vous expliquer comment faire une candidature spontanée. Alors, pour parler des candidatures spontanées, on va se poser trois questions. Alors déjà, pourquoi faire une candidature spontanée? Déjà pour éviter la concurrence, parce que généralement, certaines entreprises, lorsqu'elles lancent une offre d'emploi, elles peuvent se retrouver très rapidement en une journée avec 200 candidats. Ça peut être également la meilleure façon de montrer sa motivation à l'entreprise en personnalisant la demande. La deuxième question, ce serait de se poser comment? Alors, est-ce que ce serait sous format papier ou est-ce que ce serait par mail? ça sera en fonction de ce que vous préférez. Par contre, essayez plus ou moins de privilégier le papier pour les petites entreprises et plutôt le mail pour les grandes entreprises. Ensuite, la dernière question à se poser, c'est à qui l'envoyer. Donc ça sera soit au DRH lorsqu'on s'adresse à des grosses entreprises, soit tout simplement au chef d'entreprise quand on s'adresse à des petites structures. De toutes les façons, toujours pensez à faire des relances au niveau des candidatures spontanées. Merci Malika. Retrouvez toutes les vidéos de la Minute de l'Expert sur le site qui s'inscrit sur votre écran. Et à très bientôt. Nous arrivons à la fin de l'émission consacrée cette semaine à Rémi. Je voudrais avec nos invités qu'on puisse justement donner les dernières recommandations à Rémi. Et alors, Anouk, je voudrais commencer par toi. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Il y a une idée de coopération, franchement, tous les deux? Oui, je pense que ça peut tout à fait s'envisager puisqu'il faut qu'on fasse une différence maintenant sur le marché. Le point fort qu'on aurait de faire une coopération, c'est qu'on aurait une offre globale, en fait, complète, où on pourrait proposer et du contenu et son intégration web. Donc une coopération est tout à fait possible, surtout que moi, j'aurais besoin de quelqu'un d'un peu plus technique qui va pouvoir dire « bah voilà, ce site-là, j'aimerais l'améliorer, de ta part, j'ai besoin de ci ou de ça ». Comme moi, derrière, je peux aller démarcher quelqu'un et dire « bah par contre, sur votre site, il y a peut-être une amélioration à faire, donc je peux vous préconiser quelqu'un ». Donc oui, une coopération est tout à fait envisageable. Donc ce serait en fait, pour résumer, toi, Anouk, qui ferait plus le contenu, ouais. Et toi, Rémi, l'intégration technique, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Alors, Sauveur Garella, est-ce qu'on ne peut pas donner un petit coup de pouce à ce tandem là, qui vient de se construire là, entre Anouk et Rémi? Un petit coup de pouce commercial? Oui, c'est ça le coup de pouce. Oui, absolument. En fait, je crois qu'on avait pris un petit peu des dates. Il faut que dans les 3 jours, vous ayez pondu un CV, mais pas un CV traditionnel. Il faut que vous pondiez un véritable module de communication. Une plaquette commerciale. Une plaquette commerciale, mais là, on est dans le numérique. D'accord. On est dans le numérique. Il faut un module. Un vrai module où vous exploitez vos compétences. Et en fait, inévitablement, il y aura le petit CV classique à l'intérieur. Mais là, on veut voir vos compétences techniques. Et je m'engage à le dispatcher à certaines boîtes sur Marseille. Mais il faut que ce module soit pertinent. Je l'espère, il le sera. Bon, et on peut dire, il y a une petite bonne nouvelle. C'est qu'en fait, Rémi a un stage à la clinique Phénicia, où on connaît très bien la DIRCOM, qui est Isabelle Delaye. Pas Isabelle Baudin, Isabelle Delaye. On n'a pas prévu ça, ça... Bah écoutez, ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Alors, ça c'est une très bonne nouvelle pour Rémi. Donc un stage à la clinique Phénicia. Phénicia, c'est très bien. Dans le 5e arrondissement. Dans le 5e arrondissement de Marseille. Isabelle Baudin, quand même, par rapport à ce que vient de nous dire, l'idée du tandem, l'idée que Sauveur Garella peut donner un coup de pouce, il manque quelque chose à l'édifice, une brique, c'est peut-être vous. Comment construire ce document commercial, ce module ? Je suis obligée, moi, de donner ma pierre à l'édifice, on va dire, et donc de proposer à Rémi et à Anouk un coaching offert. En échange, par contre, on va vraiment travailler en collaboration ensemble. Je viens de créer mon cabinet qui se prénomme Birdwin, qui est donc du coaching en développement professionnel et personnel. Si vous me faites le site web, moi, je vous suis en coaching. Donc ce serait un échange de prestations, hein, voilà. C'est ça, c'est un échange de prestations. D'ailleurs, on peut de suite prendre rendez-vous pour le premier coaching. Donc je regarde, excusez-moi, mon agenda, hein, comme ça c'est concret. Alors, bah, ce mercredi, est-ce que ça vous irait? Ça me convient. Allez, très bien. Mais on prend rendez-vous, on l'acte pour mercredi. Merci. Merci beaucoup. De rien. Bon, bah, c'est bien, on trouve des solutions ensemble, c'est l'objectif. Rémi, alors, quels vont être tes engagements là, par rapport à tout ce qui a été dit? Comment tu vas nous phaser ça? C'est quoi les prochaines phases? Alors, je m'engage d'ici la fin du premier trimestre 2016 à trouver mon premier client. Et je vais profiter aussi de l'occasion pour remercier M. Garella pour son coup de pouce et Mme Baudin pour son coaching qui va beaucoup m'aider dans la vie professionnelle. Et je remercie enfin Anouk qui m'a beaucoup aidé durant ce mois et que j'espère que notre collaboration professionnelle sera fructueuse. Moi, j'en suis sûre. N'hésitez pas à participer à cette émission Chasseurs d'emploi, c'est une émission citoyenne. Nous avons tous intérêt à porter cette brique dans le combat contre le chômage. On se retrouve la semaine prochaine sur les réseaux sociaux. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter et à très bientôt.